Judd veut bien m'engager comme productrice du film. Et donc pour moi, c'est un rêve devenu réalité. John, maintenant, est devenu vraiment un de mes amis les plus proches. On a beaucoup, beaucoup ri en faisant le film, vous allez voir. On espère évidemment que vous allez rire, aimer le film autant que nous avons pris le bonheur et le plaisir à le faire. Well, that's just a small... I gotta just say, she is of Hollywood royalty. Oh, now coming from you, John, that says a lot. No, her grandfather was one of the great pioneers in Hollywood history. Tell a little about your grandfather, because they would like that. They would know who he is. It's really fantastic. Oh, alors voilà, juste, tu as de rajouter, mais en réalité, elle est vraiment, si je puis dire, elle appartient à la famille royale d'Hollywood, s'il en avait une, car son grand-père a été un des pionniers du cinéma à Hollywood. So tell us about it. My grandfather actually worked at RKO for about 25, 27 years. His name is Linwood Dunn, and Linwood Dunn, and he basically worked on the first King Kong. Any movie that came out of RKO, the first King Kong, he worked on It's a Wonderful Life, many great American films, The Great Race, West Side Story. And he was responsible for creating early opticals. So much of what you see in modern day digital compositing, he did pioneered in film. So film opticals, matte painting, traveling mats, miniatures. And he interestingly worked on the first Star Trek the first season of Star Trek. I am very proud of my grandfather and the Academy named a theater after him in Los Angeles, in Hollywood, and I was born in Hollywood, so it was really amazing for the Academy of Motion Pictures, Arts and Science to honor my grandfather. A travaillé évidemment dans les studios mythiques de la RKO et par exemple le premier King Kong, eh bien c'était la RKO, donc c'était vraiment un homme extraordinaire qui a travaillé sur les films de Capra, sur West Side Story. Il a même travaillé sur le premier épisode de Star Trek. Il a créé les premières optiques vraiment qui plus tard sont devenues évidemment ont permis tout le travail numérique aujourd'hui, sont en quelque sorte, il a également été un pionnier bien avant l'heure de la future animation, en tout cas du cinéma numérique. Je suis très fière que mon grand-père ait été d'abord reconnu par évidemment l'Académie à Hollywood et puis qu'il y ait un cinéma qui ait son nom puisqu'il s'appelle Leonard Dunn. Donc c'était vraiment un immense monsieur du cinéma hollywoodien et Denise dit qu'elle est très fière aujourd'hui de le représenter en quelque sorte parmi vous. Voilà. A real thing, like how can you really produce a movie with such a genius like his? I mean, can you actually produce a John Lasseter movie, really? Parce que je dis, voilà, on connaît quand même vraiment la patte créatrice de John Lasseter, et je voulais lui demander un petit peu avec humour si vraiment il était possible de produire quelqu'un comme John Lasseter, qui évidemment sait ce qu'il veut dès le départ. So tell us the truth. Is it possible? Let's just say that I had to perfect my negotiation tactics. Voilà, all right. This was a par exemple, vous l'avez compris, disons qu'elle a dû peaufiner ses techniques de négociation. Well, thank you very much for being with us, Denise. It's truly, truly what took you years to direct again after the very successful first Cars? I mean, what could you tell the public who hasn't seen the film yet? What is really the heart and soul of Cars 2? Voilà, vous qui n'avez pas vu bien sûr le film que qu'elle allait découvrir, je voudrais juste demander à John quel est vraiment le cœur du film. Quelle est l'histoire et le cœur de ce film? At Pixar, every film is a filmmaker's dream, a filmmaker's vision. The ideas, the stories come from a filmmaker and his creative team. Even the sequels are made
because the filmmaker who created the original has come up with an idea for a story that's as good or better than the original. Sequels at Pixar are not made just to make more money. That's a typical Hollywood thing. At Pixar, they're made because it is a real artistic vision for another story being told with the set of characters and the world that they've created. And that goes for Cars too. Chaque film, vraiment, est le reflet du rêve et de la vision d'un réalisateur. Tout vraiment est basé sur les idées du réalisateur et de l'équipe créative. Et même les suites, eh bien, elles sont faites parce que le premier réalisateur, le réalisateur du film original, eh bien, a une nouvelle idée, et une idée qui soit au moins, je dis bien au moins, aussi bonne que l'idée qui a amené le premier Cars dans ce cas ici. Donc de nouveau, les suites chez Pixar ne sont jamais faites pour des questions d'argent. Ce sont avant tout, ce qui, vous le savez, est assez typique d'Hollywood. C'est avant tout vraiment la vision d'un réalisateur qui crée de toutes pièces une nouvelle histoire, de nouvelles émotions, avec bien sûr au cœur de cette nouvelle histoire, les personnages et évidemment le monde dans lequel vous les avez rencontrés au début. Voilà ce que c'est qu'une suite chez Pixar. All right, but in a few minutes when we'll discover this film, maybe some of you know, some of them I'm sure know, there's a big sequence about Paris. How special is Paris to you? Vous allez voir dans le film une séquence très particulière et formidable, et je vous conseille vraiment de bien regarder avec vos lunettes 3D les détails des monuments parisiens, je pèse mes mots. Eh bien, Paris prend une place très spéciale. Est-ce que Paris est également une ville très spéciale pour vous, John? Paris is very special to Pixar. We can't get out of this city. We made Ratatouille, and now we have a sequence of Cars 2. One of the original ideas for Cars 2 was to take the characters that we created from the first movie and take them around the world. All the cities that the characters visit, I have visited personally, and I love these cities. And every city has a unique, each one of these cities has a unique automotive history. The cars are different. The roads are different. Simple things like the signals, the street signs, the way the lines are painted on the roads. They're very unique. And I got very excited to take and create the car version of these cities I love so much. And especially Paris. We already did a whole movie with Ratatouille in Paris, so I couldn't do another whole movie, you know, with Cars in Paris, so I had to share the love around the world. But I did have to bring our characters to one of my favorite cities in Paris and pay close attention to all of the buildings. Mm-hmm. We reimagine some of your beautiful, unique buildings, but they're made for the car world, so they have automobile parts in the architecture, and it's very special. We had a wonderful time making it. Harley Jessup was the production designer on Cars 2. He was also the production designer on Ratatouille, so he actually pulled a lot of the buildings, the digital models of the buildings from Ratatouille, and we use those as well in the city. And there's a little, pay close attention, there's a little homage to Ratatouille in that sequence as well. Paris est non seulement une ville spéciale pour moi, mais pour Pixar. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à sortir de Paris, regarder Ratatouille.
tout ratatouille se passe à Paris et on n'a pas pu s'en empêcher. Et bien évidemment, il y a une séquence parisienne dans Cars 2. Alors, tout au début, les premières idées pour Cars 2, bien, c'était évidemment, on avait envie que nos personnages, ceux que vous connaissez, eh bien, voyagent à travers le monde. Et on s'est dit, voilà, toutes les villes que vous allez voir, eh bien, ce sont des villes que moi aussi, John Lasseter, j'ai visitées et j'ai aimées. Et donc, toutes ces villes-là, vous allez les retrouver dans cet univers. Mais chaque ville, pour nous, a un cachet spécial, une histoire particulière. Les voitures sont différentes, les routes, les feux de circulation, mais les marquages au sol sont différents selon que l'on se trouve à Paris ou dans une autre ville. Et c'est vrai que c'était très excitant pour nous, finalement, de créer une version voiture, si je peux dire, de toutes ces villes, de leurs architectures, l'architecture et en particulier de Paris. Alors, bien sûr, on n'a pas voulu faire tout un film autour de Paris comme dans Ratatouille, impossible. On a voulu quand même revenir à un objet qui est pour nous très important, un objet d'amour qui est la ville de Paris. Et si vous regardez bien les immeubles, si vous regardez bien les monuments, eh bien vous verrez qu'on les a reimaginés, on les a en quelque sorte carisés, vous allez le voir. Vous verrez que dans l'architecture, il y a des images, des visuels, de l'animation qui vous rappelleront étrangement certaines parties de voitures ou certaines automobiles. Et d'ailleurs, Henry Jessup, qui déjà travaillait comme chef décorateur sur Ratatouille, eh bien, et qui retravaille ici sur Cars 2, eh bien, a repris même des immeubles entiers ou des rues que nous avions utilisées pour Ratatouille et les a réactualisées pour Cars 2. Donc, regardez bien, vous verrez qu'il y a des hommages très particuliers au monde parisien et au monde des voitures. Now, questions to them. All right, thank you, John, for this first part. Mieux. Hi. All right.